Le marxisme et le théâtre. La politique et le théâtre, c'est ça le romantisme, quoi. Il agissait dans la vie, dans les faits, comme un acteur. Elle était en cela très influencée par Guillaume. Guillaume, un acteur. Qui faisait partie de votre groupe? Oui, un fanatique, quoi. Son père avait travaillé ou avait fait du théâtre avec Antonin Artaud. Tandis qu'avec Kosygin, Wilson, Pompidou, Garaudy, Mitterrand, c'est la mort douce. Mais si la mort douce ne vous suffit pas, vous aurez la mort violente, comme au Nord-Vietnam. Tandis qu'au Sud, la mort douce suffit. Ce que j'ai à vous dire, c'est que c'est pareil dans l'enseignement, aussi bien littéraire que scientifique. Le colloque de Caen a proposé des réformes. La gauche propose des réformes. Mais tant que Racine peindra les hommes tels qu'ils sont, tant que Sartre sera interdit à l'affichage, tant qu'on n'enseignera pas les mathématiques élémentaires dès le jardin d'enfants, tant qu'on subventionnera 10 fois plus les homosexuels de la Comédie française, que Roger Plonchon ou Antoine Bourseiller, ces réformes resteront lettres mortes parce qu'elles appartiennent à un langage mort, à une culture qui est une culture de classe, qui est un enseignement de classe, une culture qui appartient à une classe déterminée et qui suit une politique déterminée. L'analyse, déjà, faut l'analyse clochet, déjà, et alors là, la conclusion complètement irréelle. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est... Oui, je suis pour la coexistence pacifique. Or, que fait le PC français pour changer cet état de choses? Rien. Écoute, il y a quand même des trucs pas mal dans les lettres françaises. Mais non, au contraire. Il y a 15 jours, il faisait l'éloge des livres qui confondent les mots et les choses, qui se font les valets de la pensée réactionnaire. Camarades et amis, il faut 1. Fermer les universités fantoches. Oui, d'accord. Mais comment? Qu'est-ce que tu proposes, rêveuse de l'absolu? 2. Par la terreur. Oui, la terreur. Mais quelle terreur? Non. Aujourd'hui, la terreur, ça n'amène à rien. Par contre, que la culture représente 0,43% du budget national, ça, Véronique n'avait pas tort. Pour Aragon, si le PC français s'est assoupli, eh bien, c'est à cause du fou d'Elsa. Parfois, je m'enthousiasmais moi-même en glorifiant dans mes écrits l'édification socialiste. Mais dès le lendemain, je me déjugeais par mes actions pratiques de caractère criminel. Il s'est formé là ce qui, dans la philosophie de Hegel, s'appelait une conscience malheureuse. Cette conscience malheureuse différait de la conscience ordinaire en ce qu'elle était en même temps une conscience criminelle.